Nous avons quatre lectrices et une artiste qui vont rejoindre sur scène à la fin. Donc, j'appelle Emma Laurent, Adèle Panda, Maria Pichichi pour venir lire ce texte. Merci Geneviève. Mamma, avanza nell'odolà. Mamma prépara mon départ. 3 millions comptant. 3 ans d'économie. 3 milioni in contanti. 3 anni di risparmi. E tutto a posto. Lo tonnellalo è coperto da un bomilalo. Tout est réglé. C'est ce qu'elle vint me dire le 7 juillet. Tu dois monter parmi les premiers. Vite, dès l'ordre d'embarquement, tu dois courir à Prou. À Prou, Chauba. À Prou, à Chauba. Tu dois aller à Prou. Deviens d'aller à Prou. Omusina, Chauba. À la Omusina. Tu auras besoin des lunettes de soleil. Tu dois les garder droites vers l'horizon. Avec les lunettes, personne ne peut te rouler. Les lunettes de soleil bien plantées entre le nez et les oreilles, j'ai pris place à Prou, comme un aigle qui connaît son affaire. Je ne les ai plus ôtées, non li ho più tolti. De temps à autre, matelot, le plus jeune, regardait fixement entre mes jambes. Le chef matelot, pour faire plus de fric, avait interdit de laisser des espaces de libre. Mamma, tu ne le croiras pas. Ils l'ont fait, quand même. Mamma, au Tétina Odoubé, Baboline Denika, ils l'ont quand même fait, sans espace. Ils ont obligé 4 hommes et 4 femmes à s'étendre accouplés les uns sur les autres. Banete Omonia Bané. Oui, les autres. N'abannepe. Un mucchio umano, une pile humaine. Le jeune matelot m'a tiré avec force contre lui, m'obligeant à marcher sur les ventres et les têtes jusqu'à monter sur le sommet. Le matelot plus âgé, piétinant bras, tête et autre chose, grimpe sur la cabine de pilotage. Je me blottis effrayé sur le dernier dos humain de la pile. Une pyramide de 700 corps bascule déjà toute seule. Una piramide di 700 corpi oscilla già da sola. Mais là, au sommet des planches humaines, si 2 hommes luttent pour une femme et les 700 clandestins tremblent de peur sans pouvoir réagir, le problème n'est plus la morale. Ni la pudeur. Il problème. Et l'équilibre. Je pousse un instant la tête hors du fil de l'eau, comme un bouchon qui quitte le poids de la bouteille et flotte. Canemi zule positima vano, tobien adima stale. Je suce l'air avec la bouche comme une pompe. Elle est toute là l'activité de ma vie. C'est encore le poids qui gagne. Alors, je descends. Scendo, mamma. De nani si bas. À nouveau. Di nuovo, verso il basso. Accrochée aux lunettes, comme une Mary Poppins, c'est son parapluie. Vers le bas. Giù. La voici. Mamma, si tu m'avais donné des lunettes de plongée, non des lunettes de soleil, j'aurais peut-être pu tenter un voyage sous l'eau.
quoi ça, Madiba? Monsieur le chef de l'État italien. Caro Presidente della Repubblica, sans moi, les immeubles comprennent l'Italia. Fait disparaître l'eau entre l'Italie et l'Afrique. Nous n'avons pas les bateaux qu'il faut pour venir te trouver. Fais partir l'eau et tu verras, en bas, qu'Italie et Afrique sont unies. Voici mon programme. Au début, je serai employée de maison dans une famille italienne. J'aimerais une famille capitaliste. Si, mi piacerebbe una famiglia capitalista. Je vois de près comment sont faits les capitalistes. Maman m'a appris à bien prononcer le mot employé de maison. Je ne ferai pas une petite figure, je te l'assure. Ce serait mieux babysitter. Moi, j'ai des enfants. Mais je peux m'arranger de tout. Au bout d'un an de travail, je ferai étudiante, tout en travaillant. Le soir, cours d'informatique. Une fois le diplôme obtenu, je chercherai un emploi dans un bureau de Rome et je doiterai toute la journée. Mais peut-être aussi je digiterai. À force de digiter, je deviendrai quelqu'un d'expérimenté. Je deviendrai un hacker. Comment que dis-je? Un hacker. Pardonnez mon erreur. Je me suis assise toute seule pour ce mot-là. On voit bien qu'il n'y a pas la main de maman. Maman condamne ogni idea subversiva. J'entrerai dans l'ordinateur de votre maison, monsieur le chef de l'État italien. Je regarderai tout ce qui n'est pas possible de voir. Sova, Icar. Hacker, j'évoluerai nu parmi vos lois. Cela va mettre du désordre aussi parce que dans votre ordinateur, il n'y a que des lois masculines. Solo leggi maschili. Je me coucherai sur le hamac. Et così che si dice? Les cuisses ouvertes. Les fichiers excités ne font pas attention à la couleur de ma peau. Ils viendront vers moi comme des mouches. Je ne serai pas responsable de cela, mais la nature humaine masculine. Si la menti di come sono fatti gli uomini, caro presidente. Plaignez-vous de la façon dont sont faits les hommes, monsieur le chef de l'État italien. Les choses étant ainsi, pour une certaine question morale, je vous conseille de fermer l'État pendant au moins une heure. Moi, je me retire, mais vous, fermez, cachez cette honte. Je donnerai l'envoi au plus grand exode africain. En une heure, j'y arriverai. Si vous fermez un œil, c'est qu'il y a un occhio. Je dois aider ceux qui sont comme moi. Une autre charrette de la mer est en train d'arriver à Lampedusa. Mia cugina è lì sopra. Ma cousine est là. Dans celle d'après, il y a la fille de ma cousine. Dans l'autre encore, la première petite fille enceinte. Car ceux d'Afrique, nous sommes comme un collier de perles cassées. Nous nous désenfilons les unes après les autres. Certaines tombent entre de bonnes mains, d'autres se perdent. Alcuni arrivano a destinazione, altre annegano e tutto finisce lì. Certaines arrivent à destination, d'autres se noient. Et tout s'arrête là. Manebe Olo, Demese Madoma. Mahama, la lune a disparu. Mahama, la luna est scomparsa. Le matin s'approche de l'Afrique. Je n'ai pas de corps à te renvoyer en arrière. N'attends rien qui puisse te donner une raison. Osenkanemba Tolambo. N'attends rien de moi. Je sombre dans l'abîme au milieu de faux passeports, sacchetto di plastica,
jeans élimés. Planche humaine sans plus d'os. Papier déteint. Qualche panino già morso. Une brosse à dents. Solo uno spazzolino sous cette gente clandestine. Je pourris dans l'eau comme une feuille. Nende osuna ka eyati o matiba. Je me sens si étrange. Marcisco nell'acqua come una foglia. Mon cœur flotte. Mi sento così strana. Il mio cuore caleggia. Je le sens comme un petit bateau. Un petit bateau de papier qui va accoster à Lampedusa dans une outre pleine d'eau, tellement pleine qu'elle va exploser. Mon cœur flotte. J'ai même envie de rire. C'est peut-être ce petit bateau qui va accoster à Lampedusa. Il mio cuore galleggia. E forse questa piccola imbarcazione che attraccherà a Lampedusa. Ganin sona kongante e matunke u Lampedusa. Cette fois-ci, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se fait-il que le naufrage et la syncope prolongée n'arrêtent pas le temps, l'espace, le corps, le sang, la peur, la violence, l'histoire, le souvenir, la morale, les éléments, le voyage, la faim, l'économie, la raison d'état, l'exploitation, le monstre, le bateau, la luna, il vento, la bonasse, la diarrhée, le poisson, l'humidité, la bronchite, la carte postale, la mission, le récif, l'illégalité, l'émigration. Maman, tout cela marche encore. Est-elle si matérielle, l'éternité?